Et après ça, Président Michel est bon invité, tu visites l'école au Cap. Président Michel, tu dis que nouveau l'école au Cap, il représente résultat sa diplomatie active qu'il y a que son gouvernement peut faire pour amener plus développement et que l'investissement cesse. L'engagement gouvernement pour donner meilleure qualité l'éducation et aussi sa bonne coopération qui existait entre la Chine et que cesse. C'est à travers des symboliques qu'au Priban, qui président Michel, accompagné par ministre pour l'éducation et directrice l'école, Titiris ben invité pour visiter nouveau l'école primaire au Cap. Sa l'école y a une capacité pour prendre plus que 400 enfants. Ça y inclut les enfants niveau primaire et plus que 100 enfants la crise. L'école primaire au Cap est deuxième l'école l'État que gouvernement sinon est financé, premier c'est l'école Belazar. Si pas de visite d'État, président chinois Hu Jintao, ici c'est en 2007, qui est offert pour le gouvernement chinois construit un nouveau école primaire. Un petit peu plus qu'un an après, en août 2008, construction de sa nouvelle école a commencé. Travail est notre réponse par la compagnie chinoise Chongqing International Economic Corporation. Le président indique qu'il ouvert une nouvelle école au Cap, il représente plusieurs aspects sa bonne relation entre la Chine et Cécile. Il représente sa partenariat, sa coopération, sa l'amitié qu'il y en a entre la Chine et CCL. Et qui, la Chine est un pays qui est tout le temps assiste CCL dans son développement, dans le développement social, l'éducation, la santé, la case, et également son développement économique, que la Chine donne nous beaucoup de support. Et ça, tout dernièrement, il est intensifié dans un programme la Chine pour un partenariat avec mon pays africain. Et Cécile, mon cas a dit, il y a un partenaire privilégié pour la Chine. Président Michel a ajouté que l'école au Cap aussi représente sa grand développement et l'investissement qui peut en avoir dans le pays. Ça, l'investissement et le développement qui nous fait ressortir peut mettre Cécile très haut dans la liste d'un pays région d'Afrique avec un haut niveau de développement humain et bonne gouvernance. Ça, l'événement aujourd'hui, il représente le résultat sa diplomatie active qui, moi personnellement, avec mon gouvernement, permet pour amener plus de développement et l'investissement dans Cécile. Sa partenariat qui m'a fait développer avec mon pays ami, mon partenaire, mon quoi, puis amène une quantité, bon quelque chose, en ce qui concerne l'investissement et développement dans le domaine infrastructure, dans le domaine social, et ça peut aider le développement social en quantité. Et là, où on parle à per capita avec les autres pays, il représente un développement qui dépasse plusieurs des autres pays, plusieurs pays africains. Et mon quoi aussi, ça a ressorti dans mot Ibrahim Index, il fait publier que c'est une sortie deuxième pour développement humain, bonne gouvernance dans l'Afrique. L'école au Cap, il y a aussi la classe pour bons enfants qui ont un problème tendé. Et là, président Michel est bien invité à gagner trop d'huile avec bons enfants et enseignants. Il n'a qu'une fois donné l'engagement gouvernement pour donner une meilleure qualité de l'éducation. Il représente l'engagement de sa gouvernement pour continuer atteindre bon target millennium. Et là, par où qu'on est, nous avons déjà achieve presque fini achieve bon target millennium. Et ça, il demandait que bon tout pays il fait le maximum pour donner l'éducation primaire à tous les enfants. Et nous finissons de dépasser ça depuis longtemps, même avant l'année 2000. Et là, quand nous avons sept bon nouveaux targets dans un bon prochain année, pour nous sept bon targets de MDG+, ça, il fait nous encore, donne-nous l'engagement pour nous amener beaucoup plus de développement dans la qualité de l'éducation que nous donnons aux bons enfants. Et aujourd'hui, ça, l'ouverture à l'école ici, il représente justement ça un grand pas qui nous peut faire dans cette direction. Cependant, la Chine a annoncé qu'il pour continuer à grandir coopération avec Cécile dans le domaine de l'éducation. Ambassadeur de la Chine pour Cécile, M. Wang Weigo, indique que son pays pour faire plus formation pour bon directeur de l'école et aussi bon enseignant. Il aussi dit que le gouvernement de la Chine peut finance construction et l'autre nouveau école d'un pays, ça pour l'école primaire Glacis, qui a fait troisième l'école que le gouvernement chinois y finance ici Cécile. Just now I mentioned that we are planning to build another school for your country.
And it certainly is the Glacier, that school, and we are now discussing some details of the design, and I think next year we'll start construction. Besides to these schools, we are offering some training opportunities for the school masters and the teachers, and every year I think you can get some opportunities to send some teachers there. And I'm very happy that our two countries, we are cooperating on education. I think education is a very important thing. Investment on the young people. And we, from our experience, that we know that we have to educate the young people. So in the future, we can get more leaders and the people that can actually build your country.